Les Britanniques utilisent depuis quelques semaines une toute nouvelle expression baptisée Bill Meghan Markle, et destinée aux personnes qui se retrouvent trahies par des amis du jour au lendemain. Ambiance. Décidément, les Britanniques n'apprécient pas tellement Meghan Markle. Comme le soulignent nos confrères du Sun, la duchesse de Sussex est depuis quelques semaines à l'affiche d'un nouveau néologisme à la définition plus que cinglante. Ainsi, de nombreux détracteurs de Meghan Markle ont pris coutume de dire « Be Meghan Markle » pour désigner des personnes qui se sont fait trahir par des amis à la vie changeante. En français, l'expression pourrait être traduite par la locution verbale « se faire Meghan Markle ». À en croire certains Britanniques, elle pourrait donc être utilisée pour désigner toute personne ayant été délaissée par une amie qui se découvre une toute nouvelle vie bien plus fructueuse. Reste à savoir si la duchesse et son époux ont pris note de ce néologisme, qui, à coup sûr, ne les fera pas vraiment sourire. La guerre à Kensington depuis son mariage avec le prince Harry, Meghan Markle est la cible de vives attaques, aussi bien au Royaume-Uni qu'à l'international. La duchesse de Sussex serait notamment en froid avec Kate Middleton, sa belle-sœur, comme confirmé à demi-mot par le prince William il y a quelques semaines. Trop directive, Meghan Markle aurait aussi poussé bon nombre de ses collaboratrices vers la démission. Ambiance. But there's all times through the rough times I've been.